Ouais, super, je rentre du taf. Ce matin, j'avais enlevé la bâche. C'était mes deux lignes de petits poils. J'ai enlevé la bâche pour sécher un peu la terre, tout ça. J'ai pas fermé le poulailler. J'ai plus rien. Ils m'ont tout défoncé. Tout ça, c'était semé. Regarde la ciboulette, là, y a plus rien. Tout ça, c'était semé en plus en ciboulette. Là-bas, c'était semé en persil. Ils ont tout défoncé. Ils ont tout défoncé. Regarde, tout est défoncé. Voilà. Les petits pois, c'est fini. Au revoir. Ils étaient super beaux. Regarde, on les voit encore un peu là. Voilà. Les petits pois étaient sortis. Tac, tac, tac. Bah là, ils sont sortis bien comme il faut. Ouais. Oh punaise, ça dégoûte. Genre une envie de poulet rôti là. Laisse tomber. Oh, vous voyez pas les cratères, mais. Ils ont tout défoncé. Ils ont tout défoncé. On voit pas le relief, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Regarde là, le ciboule de Chine. Défoncé. Là, ah, ça va, l'œil des ours. Ah, ils ont pas pris l'œil des ours. L'œil des ours, ça va, nickel. Putain, là, ils ont gratté, ça a gratté. Il y a du dégât quand même là-bas. Je suis dégoûté. C'est un truc de fou. C'est tout con, hein. C'est juste des petits pois. Quoi. On va les refaire. Voilà. On a juste perdu 2-3 semaines de taf, quoi. Là, tous les semis, tout y est perdu. On s'en fout, hein. C'est que de la verdure, tu vois. Mais ça dégoûte. Tout ce travail, là. Tout y est défoncé. Ils vont pas manger pendant 48 heures. Là. Je leur donne plus rien. Plus de blé, plus de maïs, plus rien. Crève de faim, de sauter à manger pour au moins je sais pas combien de jours là. Puis du bon en plus. Regarde mes beaux petits pois là. Punaise, je suis dégoûté. Bout de ma vie.